message. Elle dit qu'elle attend qu'elle est à vous. En moi le verre qui donne accord au jour. En moi la force du regard de l'enfant. En moi ce qui fait que le troubadour chante encore et jusqu'à la fin des temps. En moi les mélodies et la parole qui danse et fleurissent comme un printemps. En moi les traits jolis de l'âme frivole que la beauté a fait au même instant. En moi le légitime élan de rayonner, symphonie de mon choix, de partager ce qui nous fait frémir, ce que vit chante à travers mon émoi. Et je suis fait de l'argile de l'absolu, vous comme moi vivrez dans l'éternel. Notre essence est mère de toute vertu. Après les nuits scabreuses du noir de l'âme, où j'ai déposé mes pieds comme un lotus. Après les morts intérieures et le vacarme, départ de moi embrasé par Horus. Et dans la divine alchimie de mes sens, croiser le fer. Introduit merveilleusement bien ce vernissage. En fait, les mots-clés ont été dits, les mots-clés ont été prononcés, vibrés, chantés. Et merci. Donc,
Donc en fait, je pense que tu devrais être là à chaque vernissage. Avec plaisir. Ouais. Parce que ça a tout son sens. Voilà. Merci à vous d'être là. Donc ceux qui sont là, ben, ils sont là. Et ça fait vraiment plaisir. Alors nous sommes là pour accueillir l'œuvre de François Schlesser. L'œuvre et l'artiste. François Schlesser est un homme de ce temps, un enfant de ce siècle, mais vous l'aurez vite compris si vous vous attardez devant ses œuvres, c'est un enfant éternel. Difficile de lui donner une époque, difficile de lui donner un siècle. Il est de tout temps, il est dans l'absolu, dans l'éternel, et merci d'avoir retranscrit cela. Il me semble primordial en ce moment de nous rattacher, et je dis bien nous rattacher parce qu'il y a des moments où je me sens un peu enfant d'une cordée, et se rattacher, c'est retrouver des points d'ancrage. Et grâce à François, il nous a trouvé des points d'ancrage de pleine lumière, de pleine présence. Donc merci, François. Merci, Soraya. Merci à tous. Merci. Alors, le problème, c'est qu'il faudrait débaptiser les vernissages, parce que vernissage, je ne sais pas d'où ça vient. C'est juste en entendant Nicolas dire vernissage que je me suis dit, mais vernissage, pour moi, ça fait couche de vernis. Ça fait très ce qui est superficiel. Et finalement, c'est ce qui fixe l'œuvre. C'est ce qui fixe l'œuvre. Ça fixe l'œuvre. Quand c'est fini, ça fixe l'œuvre. C'est la couche de vernissage. D'accord. Alors, la grande difficulté pour l'œuvre de François, c'est que pour moi, elle est infinie. C'est comme un bon livre. Pour moi, les tableaux de François, je ne me lasse pas. Plus j'y plonge, plus j'y vais, plus j'ai envie d'y retourner. Avec ça, nous sommes vernis. Nous sommes. Et du coup, je me suis posé la question, pourquoi je ne me lasse pas? Pourquoi j'ai envie d'y retourner? Parce qu'en fait, pour moi, ces tableaux qui, soi-disant, sont fixés, nous amènent à un mouvement qui est continuel, qui est graduel, qui est élévateur, et qui continue de nous expanser. Nous sortons d'un temps très particulier dans cette humanité, où nous nous sommes confinés, et là, je parle aussi en tant que psychologue, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas que des confinements physiques. Petit à petit, nous avons quitté, pour certains, nos envies de nous projeter, c'est-à-dire mes prochaines vacances, mon prochain projet, nos envies de nous expanser. Et il y a eu des rétrécissements, mais pas que physiques. Je travaille avec beaucoup de professionnels de santé, il y a eu des rétrécissements physiques. Ceux qui avaient du mal à marcher ont encore plus de mal à marcher. Voilà, il y a des choses qui se sont rétrécies. Mais ce que je trouve absolument important et vital aujourd'hui, c'est de dérétrécir ce qu'il aurait été et retrouver la pleine amplitude. Comment retrouver la pleine amplitude? C'est redevenir des humains. Les pieds dans la terre, la tête dans le ciel. Voilà. Et peut-être oser se rappeler que, eh ben, il est temps de plus devenir bas de plafond. Voilà. Même si je devais, et je ne l'espère pas, être à nouveau rétréci dans un logement rétréci, comment moi je vais pouvoir garder ma multidimensionnalité? Et pour moi, les œuvres de François me permettent de me rappeler. Je pense à Hazrat Inayatran qui disait à Maître Soufi, le seul, s'il n'y avait qu'une chose à se rappeler, c'est qui nous sommes. Et qui nous sommes, ce sont des êtres. Nous ne sommes pas des humains qui font une expérience spirituelle, mais nous sommes bien des êtres spirituels qui font une expérience humaine. Et c'est vrai que parfois, ben moi j'ai tendance à oublier. Et donc, je passe devant le tableau de François et je me rappelle. Rappel. De quoi je suis composée? De l'argile de l'absolu. De quoi je suis composée? De lumière. Alors évidemment, tous les tableaux de François m'ont fascinée parce que, alors moi avec mes moyens, hein, j'ai trouvé ça. Moi ça m'a fascinée parce que je me dis, mais comment il fait pour peindre l'air et la lumière? Comment il fait pour peindre ce qui ne se voit pas, ce qui ne s'entend pas et qui pourtant dans la création se devine? Eh bien François, je ne sais pas comment il fait. Je n'ai jamais pu me faufiler dans son atelier. Mais à un moment, la lumière devient matière, et en même temps, sa matière, pour moi, c'est de l'alchimie, c'est tout à fait les mots employés par Nicolas. C'est l'alchimie parce que, en même temps, il permet à la lumière de devenir matière, et en même temps, sa matière nous repermet de toucher ce qui fait notre composante naturelle, la lumière. Souvenez-vous, nous sommes à Vauvert. Vauvert est sur Compostelle, le chemin de l'étoile, donc là, nous sommes en plein dedans. Mais rappelez-vous la chanson du début du chemin, quand je pars le matin, Ultreya, aller plus loin sur le chemin, au-dedans de moi. Tous les chemins parcourus, ce sont des chemins intérieurs. Et ce matin, avec Nicolas dans le salon, j'ai pris un livre et je suis tombée sur un livre de Bertrand Vergély qui nous dit deux choses importantes. Il nous dit,
Est-ce que vous gardez tous les jours, vraiment tous les jours, le dialogue avec le ciel? Ou est-ce que finalement, de temps en temps, vous perdez le dialogue avec le ciel? Et le dialogue avec le ciel, c'est déjà physique, mais c'est pas que physique. Je peux être allongée sur un lit d'hôpital et garder le dialogue avec le ciel. Donc c'est vraiment ce rappel du dialogue avec le ciel. Et pour aller plus loin, Bertrand Vergély nous rappelle l'essence du mot contemplation. Contemplation, c'est avec le temple. C'est-à-dire, c'est un rappel du avec le temple. Mais ça va plus loin. C'est devenir et se faire temple. Et donc, vraiment, merci. Parce que pour moi, c'est un rappel, c'est une évocation, mais c'est aussi un appel. C'est un rappel, mais aussi un appel. Voilà. Bravo. Merci. Merci. Je ne l'aurais pas dit comme ça, mais je l'ai peint. Donc voilà. Mais merci à tous d'être là, ça fait vraiment chaud au cœur. Merci Nicolas, merci Soraya, merci tout le monde. Voilà, bah, en fait, ça fait 35 ans que je peins et que j'expose. Donc là, vous avez quelques reproductions d'originaux. Si vous voulez en voir plus, le 25 juillet chez Soraya, il y aura des originaux et puis aussi des reproductions, plus des conférences, dont une de Soraya qui est quoi déjà de la toile à l'étoile. Ouais, de la toile à l'étoile. Alors j'ai l'impression de deviner un peu de quoi ça va parler. Et puis moi j'en fais une après ou avant, je ne sais plus. Et sur l'histoire de comment j'ai fait pour devenir peintre et comment. J'en suis arrivé là, à partir de zéro. Le 25 juillet. 25 juillet, oui. Ouais, ouais, voilà. Je suis sans rien. Et ben voilà, j'ai tellement bien. T'as vu, sa phrase était. Une seule phrase, mais très. Je vais aller faire ce que je lui ai dit, juste une seule phrase, mais très longue, quoi. Donc, je vous remercie encore d'être là, et puis à bientôt, peut-être, dans d'autres circonstances. Voilà. Alors. Nous allons presque avoir la chanson de Nicolas, presque. Encore deux petites choses très très importantes. La première, c'est merci. Merci d'être là. Merci de vous rappeler, merci de répondre à l'appel, parce que je pense que François, Lola amènent plus encore que voilà, de ce qu'ils sont. C'est-à-dire, il y a une phrase que j'adore qui dit que certains sages donnent même plus que ce qu'ils possèdent. Ouais. Et je pense qu'effectivement, ça vous dépasse. Et en même temps, bah, c'est magique, c'est super, ça vous passe. Donc merci à tous de vous rappeler. Olivier, promis, je nettoierai. Merci de vous rappeler que vous êtes poussière d'étoiles. Rappelez-vous que vous êtes des trésors. Voilà. Et il y a encore une chose, parce que ça m'a parlé ce matin. Il y a des stations radio. Il y a des stations radio, et c'est un peu cette histoire de dialogue avec le ciel. Qu'est-ce qu'aujourd'hui je vais garder comme dialogue avec le ciel, mais surtout, sur quelle fréquence je vais me brancher aujourd'hui? Donc la fréquence des espoirs, elle est super, super en vogue. La fréquence tristesse, elle a un bon quota aussi. Il y a plein d'autres fréquences. Il y a la fréquence de la bonheur, du bonheur. Il y a la fréquence de l'alchimie céleste. Il y a la fréquence de la joie. Manandamon dit bien que... Nous sommes joie. Donc la question, c'est une question de fréquence. Donc Ivanov nous dit le matin, si vous mettez une radio, rappelez-vous bien de quelle fréquence vous choisissez. Donc là, il y a des choix à faire en ce moment. Donc choisissez bien votre fréquence. Et pour nous rappeler de choisir la juste, c'est pas une bonne fréquence, excusez-moi, il n'y a aucune, je ne rentre pas dans bon ou mauvais, il y a une juste fréquence pour vous ce jour. Voilà, c'est symbolique, donc moi je vais le faire puisque j'ai la bougie ébriquée, mais je vous invite tous ensemble à le faire pour vous, c'est-à-dire, pareil, hein, c'est Abhratinayatran qui disait « Quand vous allumez une bougie, croyez pas que vous prenez un briquet et que vous allumez... » Non, à chaque fois que vous allumez une bougie, c'est toute la création qui se refait. Et c'est la lumière du cœur, la flamme du cœur que vous venez réveiller. Ça, c'est allumer une bougie. C'est le feu sacré. Donc je vous invite là, vraiment, les pieds dans la terre, la tête dans le ciel, comme si vous portiez une couronne, parce qu'en fait, si je porte une couronne, essayez, hein, portez une couronne comme ça, vous allez voir, elle tombe. Et si, hop, je remets une couronne, voilà. Après, j'arrête. Non. Juste avant que Nicolas sonne à la porte, j'ai eu un doute. Donc, je suis allée chercher sur Internet paradis. J'avais vraiment un doute, et juste avant qu'il sonne. Et le paradis, c'est l'enceinte royale. Et en fait, je travaillais sur
la posture de Qigong de l'arbre. Et voilà. Et en fait, je cherchais le jardin d'Éden, comment je recrée le jardin. Et finalement, ok, il y a le jardin dans le paradis, mais de manière antérieure au niveau, donc c'est de l'iranien ancien, il y a cette notion de enceinte royale. Donc est-ce que je peux, donc là c'est vraiment une invitation, les pieds dans la terre, tu peux être assise et c'est super, les pieds dans la terre, la tête dans le ciel, et voilà, je porte cette enceinte royale. Et tous ensemble, je vous invite à allumer vos présences, vos cœurs, et former le point lumière à vos verres, le premier d'une très longue chaîne. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, il y a les dialogues en humanité à Lyon. Il y a sûrement plein d'autres choses que je ne connais pas. C'est-à-dire que nous sommes bien plus nombreux qu'il n'y paraît. Souvenez-vous que nous sommes baignés là d'énergie, qu'elle est invisible. Donc, nous avons tout à y gagner à ouvrir les yeux. Yes. Et là, Nicolas, c'est à toi. Deux phrases. Avant la chanson, merci. Nous sommes à Vauvert, mais nous sommes aussi, encore plus précis, vous savez, comme le point GPS, c'est très important d'être précis, nous sommes chez Olivier Menanteau, au Père Casse-Croûte, et je remercie particulièrement nos deux cuisinières qui ont accepté d'arrêter la cuisine, et voilà, qui j'espère se sont nourries autrement, et qui vont nous nourrir de délicieux mets tout à l'heure. Merci Pauline, merci Pauline. Merci Pauline. Finalement, c'est pas la rivière, c'est l'enfant grand que je vais vous chanter là, du premier album. L'objectif divin n'est pas cause perdue, mais à portée de main, je vous dis, je l'ai vu, par un ange firmin, et loin d'être déchu, il m'a dit, ce chemin, tu y cours dessus. L'amour vole entre tous, cessons de retenir, ses puissantes secousses, pour du songe sortir, n'attache point mon frère, à ta sœur, ton âme, trouve en toi l'univers, l'amour de toutes les femmes. Et complet tu seras, face à toute la vie, de vrais choix tu feras, car tu n'as plus suivi ni d'écrits, ni de dits, de parents, de gourous, d'un savoir inédit, en toi naîtra la roue. Ne soyez pas farouche, laissez le don que s'exprimer. Dessous toutes ses couches, cet enfant grand et animé. Il veut rire et pleurer, ou parfois même il veut crier. De colère, de beauté, mais laissez-le enfin vibrer. Cultivant l'authentique, alors vous vous découvrirez. Comme de la musique, modulant sans arrêt. C'est un meurtre à mon sens de faire taire au profond qui bouillonne l'essence pour quelques ingrates raisons. Vous n'êtes pas coupable, vous n'êtes pas petit, vous êtes le grain de sable et puis la plage infinie. Montrez-moi si votre âme est-elle de feu ou bien de terre. Montrez-moi que la flamme qui est faite d'eau peut être d'air. Dans ces chants derrière, derrière vos deux yeux en barrière, d'un rêve de l'esprit, je vous ôte aujourd'hui ce voile de la honte qui nous pille, qui nous suit, occultant ce qui monte, ce qui nous monte au paradis. La lumière au-delà des manteaux que nous tissent en enfer les tissus de l'ego. J'ai croisé mille fois les tendances animales, ressenti le vent froid des souffrances normales. Aujourd'hui je soupire et regarde au profond ce qui me fit souffrir et toucher au tréfonds. J'embrasse mes frères comme je m'embrasse moi. Je nous vois en misère dans de durs émois.
cela fut possible, nous serons dans ce vent portés par cette cible. Thank you.